Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bam! Excellent ça. Bon alors, il y a des petits bugs de son qui me parviennent. Couis-je? Que jouille, hein, évidemment, le son que jouille. C'est chiant. Alors, on va essayer de régler ça vite fait. Avant de partir in-game. Like we say, hein, évidemment. Le jeu SVP. Histoire d'avoir un petit rendu, voilà. Et ensuite, en fait, il faut que je coupe ça. C'est ce qu'on va faire de suite. On va essayer de mettre ça ici. Voilà, parfait. En fait, on va direct in-game, en fait. Blablabla. Parfait. Parfait, parfait. Le jeu, ce n'est pas Tower Fantasy. C'est ce truc-là. Parfait. Et voilà, on désactive ça. Le son du jeu est présent. On peut, par souci de puissance, voilà, faire ceci et diminuer un peu ça. Donc tout va reposer sur le retour. Est-ce que le retour est OK? Ouais, c'est bon. On est paré. Par conséquent, le chat, je ne l'aurai point. Pourquoi je n'aurai point? En fait, il faut que je corrige ça. C'est mieux d'avoir le chat. C'est mieux d'avoir le chat. Doc. Chat. Parfait. Parfait. Voilà, c'est parfait. Comment je peux faire ça? Si je coupe ça, j'ai peur que ça merde, alors on va pas le couper. Voilà. Comme ça, j'ai le chat sur le côté. Un peu fort pour moi. Voilà. Un peu fort. 7.1 in the game. Et on va direct enchaîner. J'ai fait un gros rush. Un gros rush de l'histoire. Donc ça, c'est plutôt good. Ah oui, il s'est cassé la gueule en fait le truc, super. Ça sert d'être sur la terre. C'est la cam bug. Alors, on était parti, non, toujours là, hein, toujours présent. Ah oui, c'est ça, oh là 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 là, mais oui. On avait débloqué un nouveau lieu. Vous avez interrompu Julio. Mais non, je voulais récolter les flammes. Ok. Tout est plein, tout qui tremble. Les choux-fleurs qui bug, ok. Tout est normal. Recueillez-vous donc. On a fait. Ouais, il y a bouffe qui meurt de faim. Rendez-vous au pont du contrebandier. Lavage de cerveau. Attends, déjà on a qui là? On a Pixies. C'est Pixies lui? C'est un nouveau Pixies. Cherche un refuge des âmes perdues. Vas-y, on les accueille. On sera à beaucoup. Oh, il est malade lui. Qui ça va être? Wizbot? Non, Wizbot il fait des dingueries lui. Ça peut pas être Wizbot. Y a pas un son double là? Non, j'ai cru. La voix. T'es quoi de caisse? On va l'appeler. Tara. Ouais, on va l'appeler. C'est bien ça. Comment on écrit? Voilà, il s'appelle. Alors, il s'appelle Brr. Enchanté, Brr, qui va être. Qu'est-ce que Brr? Brr, c'est. Brr, c'est ça. C'est un hippocampe. C'est un hippocampe, ça? Peut-être. Brr, Brr, il va être de couleur. Couleur peu commune. Violette, comme ça. Et variation. Non, Brr, Brr, il a des vagues, il a pas des pics. Brr, il est neutre. Ouais, en fait, c'est bien ça. Alors il prie plus vite, super. On va l'envoyer prier du coup.
Oh, tout de suite, il est malade. Repose-toi. Attends, je récupère mes offrandes. Merde. Et lui, ça va être... Ça va être comment, lui? Il va s'appeler Ham. Ham. Il va avoir une apparence aléatoire. Alors lui, il est un peu naze en termes de stats. Horrible. Voilà, c'est ça. Hop là. Poup, pip, pip, poup, pip, poup. Poup, poup, pip, pip, poup, poup. Alors, il y a un mec qui se repose ici. Ici, il y a du poisson. Ça va être la nuit. Faut que je fasse le rituel. J'ai pas de temps. Il y a aucune quête qui nécessite du temps. Pour être effectué. Il me manque 3 lits. Vite, faut que je fasse ça avant la nuit. Ok, bah, je les répare. Je les répare. Vite. Pas le temps de construire. On construira plus tard. Ah, je peux pas récupérer le... Assez dit pour vos adeptes. Les gens, ils sont... Je t'ai dit d'aller te reposer. Tu fais quoi, toi? Allez, bleu. Ah, mais il y a déjà plus rien ici. Repose-toi. Pourquoi ils vont là-bas? Ah, faut que je les amène moi-même à l'infirmerie. C'est quoi, ça? Aïe, aïe, aïe. Voilà, on va leur donner un peu à manger le temps qu'on parte. On va leur donner quoi? Le chou-fleur. Les bas à place de chou-fleur. Oh là là, c'est si puissant. Alors, j'ai l'impression que plus on en donne, moins c'est efficace. Après, c'est peut-être une impression. Hein. Oh, le nimp. Mais attendez, est-ce qu'il apparaisse plus loin? Tant pis. Ah, il me faut un coussin derrière moi, s'il vous plaît. Voilà. Attends, je me positionne bien. C'est ça, mangez, mangez. Mangez bien, c'est moi qui vous mangerai plus tard. Alors, il a une quête, c'est qui quête terminée, je sais. Ah bah oui, c'était récolter les gars. Récolter les gars. Venir, leur venir en aide. En fait, voilà, bah pont du contrebandier, excellent. Nouveau lieu. Nouveau lieu, je sais pas pourquoi il y a deux fois nouveau, mais c'est pas grave. Ah. Alors, est-ce que si je clique là, on a... Non, on a rien du tout. Ok. Nouveau lieu découvert, plus de fois, super. Oh, j'aime beaucoup. Limbo, ça coûte bien la, la côtelette sur pâte. Tu me dois un bateau, Nani. Les prélats sont de sacrés vermines, mais grâce à eux... Les voies navigables restent ouvertes et l'argent coule à flot. Mais maintenant que tu as commencé à les massacrer, toutes sortes de monstres se sont mis à débarquer et faire couler mes réserves. Aïe, coup dur. Avec leurs dents qui grincent, leur trogne difforme et leur odeur nésarbonde. Nausée abonde, ouais, dans le sens c'est mieux. A réveiller un mort, ok, il me fiche de ses pétoches. Le portrait craché de ma belle-mère, hé. Bref, tu as intérêt à te rattraper à chaque fois qu'un palais disparaît, une affreuse créature qu'on appelle un témoin le remplace. Et en fait, Plimbo connaît de beaux mondes qui paieraient un paquet pour un œil de témoin. Si tu m'en rapportes, j'achète un nouveau bateau et j'effacerai ta dette. Ouais, tout ce que ça va faire, c'est retourner aux endroits que tu as liés près là, puis éliminer les bêtes féroces qui se pointent. Avant leurs yeux, c'est simple comme bonjour. Oh, mais je l'ai déjà fait! J'ai déjà fait du coup. Ça, c'est nice. Voilà, j'en ai un en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On peut regarder ce qu'on a. Lire dans l'obscurité. Ouais! Un deuxième truc chelou. Pauvre agneau, nous nous rencontrons à nouveau. Comment se porte ton culte? Aïe! Oh, j'adore cet effet. Tes adeptes sont-ils entièrement dévoués? Sont-ils puissants? Bien sûr. N'en attends pas trop de leur part, les adeptes ne sont pas bons à grand chose. Aïe aïe.
Si nous passions un nouveau marché, la chasse n'est pas bonne ce soir, il y a trop de prédateurs et pas assez de proie. Tu m'offres l'un de tes fidèles adeptes, je te donnerai quelque chose en échange, qu'en dis-tu? Yes. Clintar, je suis désolé, mais c'est toi le vieux. Le vieux de la troupe. Sinon, il y a des malades qui viennent d'arriver. Mais les malades, ils sont moins utiles que les vieux, quoi. En plus, les vieux, je peux rien faire du tout. Ok. Voilà qui est satisfaisant. Tiens, c'est pour toi. Maintenant, je te prie de m'excuser. J'ai une faim de loup. Let's go. Oh yes, ça me fait un truc entier. Oh là là, excellent. On va pouvoir avoir une nouvelle cape. Le bleu n'est plus malade, ok. Personne s'est emprisonné, super. Chance heureux. Oh, on peut choper des crabes comme ça? Ça ne rien. Recevoir des soins à la mort d'un ennemi. Intéressant. Reprendre de l'écorce au passage lorsque vous effectuez une roulade. Oh, c'est bien, mais c'est recharge 10 secondes, c'est long. Dépose une bombe explosive après une roulade. Oh, c'est fort de ouf ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un truc de cristal. Fenêtre de cristal, c'est un peu stylé. Et tour de cristal. Ok. Ok, ok. Là, qu'est-ce qu'il y a? Acheter apparence adepte. J'achète. Ok. Hein? Un dinosaure! Nouvelle forme qui peut être adaptée aux adeptes. Ok. Trop bien. Je peux acheter un nouveau truc? Apparence adepte débloquée. En gros, il en manque un. À quoi il ressemble lui? Ah, c'est un éléphant! Vas-y, j'achète! J'achète! Qu'est-ce qu'il me donne? Bah, l'éléphant. Comme de par hasard, quoi. Et rupture de stock. Eh oui, j'ai tout eu, ok. Je suis sûr, il y a une statue à attraper une bestiole. Apparence d'adepte. Ok. Ok. Bon allez, je lui donne un œil. Enfin, allez, ce truc est tout mou. Ouais, on raconte que ces créatures ont vu tout ce qu'il y avait à voir et qu'elles ont jugé le monde en silence pendant des millénaires. Un peu comme ma belle-mère. Excellent. Tiens, prends ça. Je l'ai trouvé durant l'un de mes nombreux voyages. Pour moi, ça ne vaut pas un paix de lapin. Mais tu en auras peut-être l'utilité. Plus que 3. Oh, ok. Premier truc. Premier truc du deuxième cercle. Hein. Deuxième cercle. Ok, faut apporter un truc à Plimbo. Bien sûr, il y a un truc dans un angle. Elle est là. Je l'ai pas vu. Faire une offrande. Voilà, donc je sais pas à quoi ça sert. Enfin, toujours pas. Mais je suis persuadé que ça va débloquer quelque chose. Et pourquoi? Pourquoi je l'ai pas il veut un deuxième et puis. Et puis quoi en fait? Ah, ça coûte super cher. 100 et tous les autres c'est 150. Ok. Bon, on va continuer. Merde, j'appuie sur B. My bad.
J'ai fait des statues d'escargots sur chaque zone. Il manquera plus que la zone en dessous de celle-ci. Donc, je sais pas comment elle s'appelle. Ça va être un truc de champi pareil, mais un peu chelou. Là-dessus, et je pense qu'avec les bateaux, donc soit sur le pont, soit avec le bateau en bas, il y a moyen de dégager et de prendre une autre zone. Ah, je sais pas s'il y a vraiment d'autres lieux parce que ça a pas l'air. Je sais pas en fait. Je sais pas, je sais pas. On va voir ce que, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, il faut continuer à tuer les gros boss pour débloquer l'histoire. Et à partir de là, on pourra avancer, découvrir des choses. Et ça, c'est cool. On a eu le cœur de je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Oh, ça charge trop vite par contre, hein. Oh là là, faut une demi-heure pour tout récolter. Ok, alors, nouveau truc. Truc de prison, ouais, bof. Tabernacle 2. De dévotion. Sol à fertilisant, écoute. Silo à fertilisant, pas sol. Ouais, je regardais si on m'entendait, mais en fait, plus je parle loin, plus on m'entend moins bien, quoi. Logique, logique, logique. Alors, parfait. Voilà, je récolte tout ça. Oh, le nombre de pioupiou que j'ai chopé. Alors, on veut un max de chopper. On veut des champis. Et les betteraves, c'est mieux aussi. Pardon. Betteraves. Ensuite ça. Ensuite ça. Et en tout dernier, les grosses baies. Voilà. Il n'y a pas des. Il faut aller chercher les pioupiou eux-mêmes. C'est chiant. Oh merde, j'ai mis un or dedans. Putain, à chaque fois je comprends pas ce que c'est, mais. Vas-y, ça me saoule, j'ai pas envie de mettre de l'or là-dedans. Je le virerai, lui. Hey, il vole mes fleurs, lui, c'est comment? Ok, bon, on le remplit avec le reste. Tac, 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 on récupère tout ça. Là, il y a des gens qui vivent. On va récolter un peu la dévotion qu'il y a ici. Voilà. Ici, c'est dégueulasse. Voilà. Pense juste des chiottes 2, mais il me faut des cristaux. Là, on peut soigner tout le monde. Parfait. Et les gens ont faim. Et bah, du coup, là. On donne à manger. Ça coûte. Ça donne si peu. Oh là là, ça me saoule. Faut que je leur donne un autre type de plat. Merde. Je leur donne un autre type de plat. Non, ils vont en avoir marre. Alors attention, faut pas que je fasse le sermon. Faut que je fasse couronne. Couronne, on a voilà un nouveau truc ici qui nous permet d'avoir une autre cape. On va se faire plaisir. Vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué et fait réinitialiser lorsque on vous attaque. Ici, fois 2 de dégâts. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Plus corrompu ou 3 cœur corrompu à chaque quart de terre retirée. Mais vous perdez 100% de vos objets si vous mourrez. Ouais, en gros, t'as moins de chances de mourir, mais si tu meurs, tu perds tout. Et ça, je comprends pas en fait. Tous les cœurs sont remplacés par 1,5 fois la quantité de cœurs bleus. Bon, je comprends pas le principe.
Ça, je trouve ça trop naze. Trop nul. C'est les cartes de. Tu en tires 4 au début, et c'est tout. Alors que tu peux en avoir énormément des cartes dans les donjons qui sont super utiles. Après, c'est bien parce que tu les as dès le début. Donc, dans un sens, c'est pas mal. Mais tu peux pas en avoir d'autres. Après, si tu peux payer. Si tu peux payer pour avoir d'autres cartes, ça c'est pas mal. Plus de dégâts pour chaque équipe. Ça c'est. En vrai, c'est pas mal. Mais 100% si tu meurs, c'est un peu chiant. D'ailleurs, si tu fais. Si tu trolls, que tu fais nimp, c'est chiant. Et quoique, en vrai, c'est pas mal. Est-ce que j'ai le truc pour la résurrection? Le ressusciter dans les donjons. Ça, en fait, ça m'intrigue parce que je sais pas ce que c'est. En gros, je me dis, ça remplace tous tes cœurs par 1,5 fois la quantité de cœurs bleus. C'est-à-dire que si t'as 3 cœurs bleus, ça veut dire, bah, plutôt, on va dire 2 cœurs bleus. Donc t'en as 2 plus la moitié de 2, 1, donc t'as 3 cœurs. Mais est-ce que c'est au tout début? Est-ce que c'est constamment? Parce que dans ce cas-là, tu fais. Tu prends des démons. Non, c'est naze. C'est naze. De toute façon, il faudra tout test, on pourra tout avoir. Au fur et à mesure, c'est juste un peu long pour les choper. Ça c'est chiant parce que tu subis 2 fois plus de dégâts donc tu meurs instant. En gros tu prends un dégât, tu perds un cœur. Sachant que j'ai un cœur. Pas ouf. Ça les 4 cartes. Un peu chiant. Et en gros ça c'est pas mal quoi. Parce que ça fait une, deux, à chaque fois t'en as. C'est un cœur corrompu, donc c'est un cœur corrompu, c'est. Bah, du coup, c'est deux touches. Tu peux prendre 2 dégâts supplémentaires à chaque cœur. Sachant que quand tu tires une carte, t'as un cœur. Tu achètes une carte à côté, t'as un autre cœur. Si tu perds très peu de vie, à l'autre zone où tu peux racheter des cartes, ou du moins en tirer une, t'as un nouveau un cœur. Je vais prendre ça, Pélisse corrompue. Mais en vrai, celle que j'ai, elle est tellement mieux. C'est pas grave. Je vais prendre ça, on va voir. Pélisse corrompue, voilà, un max de cœur corrompu. Donc le nouveau jour se lève. Serment. On a entendu la petite cloche. On en a plein! On en a plein! Ah oui, c'est vrai, les sermons, ils servent plus à rien, ça me saoule un peu. C'est pas grave. Ah ouais, plus 100%. Ah, c'est un truc de fou furieux, ce rituel. Ok. Ok, wow. Hello, le grand n'est plus malade. Super. On est content. Attends, il y avait lui, là. Terminé. Père, aide-moi de la foi un petit peu. Par contre, arrêtez de faire n'importe quoi là. Allez au boulot, bande de feignants. Ah, il n'y a plus de. Il n'y a plus le truc de la mine. Je vais reconstruire. Ah, oui, voilà, c'est ça. Il y a le soin 2. Elle se soigne plus rapidement. De la mine, hop. Merde! Je pensais que je pouvais pas. J'ai pas mis? Ah, ça m'a équipé automatiquement? Bon, c'est pas grave, on va voir. On va voir ce que la cape vaut et si ça vaut rien du tout. Bah, tant pis. Tac. Et le chat, tu fais quoi là? Bah oui, maman.
Ah, tout le monde travaille plus vite parce qu'ils sont sous l'effet de ça. Ah ouais, excellent. Bien. Arrête de faire n'importe quoi. Allez, le chat. On le voit, le chat, ou pas? Le chat, chat. Pourquoi tu vas là-bas? Oh. Bon, tout le monde prie, là. Voilà, Julio, mais travaille. Travaillez, nom de Zeus. Fermier. Quoi? Travail. Fermier aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, le chacha? Ça va? Est-ce qu'on voit le chacha? Ah non, on le voit pas. Je sais pas si on le voit. On le voit un tout petit peu. C'est pas grave, c'est bien comme ça. Oh non, il est parti! Hello, hello! Ce jeu dure longtemps, on dirait. Un petit peu, ouais. Bon, le chat est parti, je suis désolé. Sinon, ça va, merci. Et comment toi tu vas, surtout, avant tout? Le jeu est un peu long, mais en fait, là, je suis en train de remonter. C'est-à-dire. Je suis en train de faire tout. Les... Oh putain, ça a possédé le chat. Eh, doucement! Oh là là, il a failli déglinguer tous mes câbles. J'ai fait plein de boss super rapidement. Et là, je vais battre le gros second boss en fait. C'est déjà plein, mais what the fuck? Ça va pas mal aussi. Pas reçu de mail au fait. Ah ouais? Un chiant. Ouais, elle m'a répondu. Elle m'a répondu, elle m'a dit ok, merci, bonne journée, je sais pas. Bonne journée, à bientôt, je sais plus. T'as un gars qui m'a dit. Tu vois, c'est encore pas mal d'heures. Ouais, en vrai, oui. Mais. En fait, j'ai mal géré. J'ai mal géré. Bon, je m'amuse, tu vois. Donc en soi, c'est pas du temps perdu ou le jeu est long pour rien. C'est. Je me suis amusé à récolter les ressources, un machin, à custom un peu ma base pour l'optimiser, etc. Et là, en gros, je vais aller faire quoi? Je vais aller faire le troisième, pardon. C'est pas le second, s'il y a un troisième, c'est le deuxième. Deuxième boss. Alors, et j'ai acheté une nouvelle cape parce que j'ai débloqué une nouvelle zone. Eh, hey. Hey, tu te grattes pas? Arrête de te gratter. Il est surexcité, le chat, là. J'ai peur. Calme-toi. Calme-toi. Te calme. Me fais peur. Avec ses gros yeux, là. T'es pas lassé, quand même, du coup? Non, parce que... Il y a tout le temps quelque chose qui fait que... Tu dis, ah, c'est un truc de nouveau, tu vois, t'avances dans l'histoire en fait. C'est pas, tu fais exactement la même chose, tout le temps il se passe rien, et jusqu'à que t'aies battu le boss, il se passe quelque chose. C'est, même si tu vas pas forcément, je pense qu'il y a des déclencheurs, mais en gros, attends, plus de dégâts, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Mange pas les mouchoirs, hein. Là, tu vas aller dedans. Hop là, l'ai mis là-dessous. Oh, il meurt de faim tout de suite. Et en gros, je vais te montrer juste après que j'ai fait. Je vais chercher les corps rouges. T'arrêtes de faire des dingueries. Oh là là, il est surexcité. Eh oh. Oh là là, je sais pas si on l'entend, mais. C'est un fou furieux là, je sais pas ce qui se passe. Attaque des ennemis proches, le cœur, dégâts explosifs. J'ai peur, hein. J'ai peur qu'il me défonce tout. Et du coup, voilà, du coup, le truc tout en haut. Tout en haut, bon, j'ai pas le retour sur moi là, parce que c'était un peu chiant. Du coup, c'est pas mal, je commencerai sûrement le jeu de la semaine pro. Ce week-end, pardon. J'ai confondu perso et prochaine, quoi. Ok. Mais je te conseille de jouer direct en très difficile. Sauf si vraiment t'as du mal.
Mais en soi c'est mieux. Et du coup je disais les trucs tout en haut en fait c'est le nombre de démons que tu peux avoir dans chaque catégorie. En gros là bah, je suis obligé de prendre un... lui là. En gros comme il me dit plus de cœur, bah, en gros je vais avoir 2 demi-cœurs. C'était marqué en haut à droite. Je suppose que c'est ça. Et du coup je fais plus de dégâts dans les donjons. Et tu veux un plat esqui? Vas-y, faut que je fasse 3 plats esqui. Vas-y, c'est pareil. C'est parti. Les plats esqui. Oh, c'est ça? Ah, je peux en faire. Oh, c'est dur. Oh, ça demande tellement de ressources. Enfin, je vais le faire. Ok, faut pas se foirer. 1, 2. Oh non! Fuck! Vas-y, je fais un troisième. En fait, il y a une. De latence, vas-y, c'est bon, j'ai réussi. Et bah là, je peux aller te montrer. Je vais partir, je vais faire d'autres plats. Attends, c'est un peu complexe. Voilà, il faut que je gère un peu tout. Parce qu'en gros, si t'es en facile, bah t'as trop de vie, tu fais trop de dégâts. À mon avis, je passerai mon temps dans le village et pas dans les donjons. Bah, en fait, au bout d'un moment, t'es obligé d'aller dans le donjon. Genre tu peux pas parce que surtout si tu te mets un peu en difficile ou très difficile, la foi elle diminue très vite et la bouffe aussi. C'est à dire que t'es obligé d'avoir du stock de nourriture. Donc t'es obligé d'avoir des champs si tu veux passer plus de temps dans ton camp. Faut mieux avoir des champs. Sauf que du coup pour avoir des champs, bah, pour planter des trucs, à chaque fois il faut des graines. Pas des graines, de l'herbe pour faire des plants. Des petites parcelles. Arrête d'être possédé le chat. J'ai peur là. Et du coup pour avoir de l'herbe c'est que dans les donjons. Et ça c'est un peu chiant. Donc ils ont encore faim, c'est pas possible. Ah ils ont pas mangé. Mangez avant que les pupus ils mangent pour vous. Bon j'irai un minimum. Mais je jouerai en normal quoi. Ok. Ouais si tu joues en normal les donjons c'est vraiment chill hein. C'est vraiment chill. Bah, du coup, en fait, j'ai commencé à avancer dans l'histoire. Et rien que dans la même zone, j'ai débloqué la grotte au sport et le pont du contrebandier. Donc, en vrai, c'est relativement efficace, tu vois. T'as toujours quelque chose. T'arrêtes de te gratter, toi? Oh, psst. Il comprend rien. Il comprend rien, ce chat. Arrête, Miu. Et je suis pute. Il y a quelque chose sous le dernier nuage, juste à droite de... Juste entre les deux, là. Toujours présent, Miu. Bah oui, Miu. Là, il regarde la couverture, comme s'il allait se passer quelque chose. Et en gros, tu rencontres de nouveaux persos qui te disent « Ah bah, rejoins-moi là pour le jeu des osselets par exemple. » Attends, c'est où que je vais aller, moi. Je l'ai fait. Ah bah, c'est lui, là. J'ai un peu peur. Mais on y va. En plus, j'ai une nouvelle cape. Les capes coûtent cher. Donc, faut bien choisir ton style de jeu, en fait. La cape est utile que dans les donjons. Elle te sert à rien. Sinon... En gros, celle que j'avais pris, elle me faisait les pouvoirs que t'as dans les donjons. Les maléfices, les sorts. Ils appellent ça maléfices. Je peux en lancer 2 fois plus. Voilà, c'est lui le gros boss là. Calamar qui s'appelle, comme de par hasard. Disparais créature, va trouver satisfaction ailleurs. Tu ne franchiras jamais la porte de mon temple. Et bam! Aïe aïe aïe. C'est lui que je vais vaincre tout bientôt. En gros, 2 fois plus de dégâts pour 2 fois moins de requis. C'est-à-dire... Attends. Appel à la couronne. Oh, c'est pas mal ça. Ça possède les ennemis, mais j'ai jamais compris comment ça marchait. Donc c'est pas mal, mais je sais pas. Et en gros, au lieu d'avoir 4 en haut à gauche, j'avais 8, voire 9. Et parfois 10 même avec des certaines cartes. Et sauf que j'avais 2 fois moins de vie.
Et mes armes faisaient deux fois moins de dégâts. Et là j'ai changé, c'est quoi? Attends, avant que je fasse n'importe quoi dans mon aventure. Là, la cape que j'ai, pour chaque carte de tarot que je vais tirer, je gagne un cœur. Un cœur corrompu. C'est-à-dire que quand on touche, ça m'enlève un demi-cœur sur le cœur corrompu. Ça fait des dégâts à tout le monde. Tous les ennemis dans la salle. Mais une fois que tu perds le cœur, tu peux pas le réavoir avec du soin. Bah, tu t'es pris pour un renard, le chat, en fait. Arrête de plonger dans la couverture. Et normalement. Ouais, par contre, je sais plus jouer, moi. Voilà. Du coup, là, je fais. C'est un peu kiff-kiff. Oh, Pixas, hop! Salut, gros BG. Merci pour le resub. 4e mois d'abonnement. Damn! Merci, noob. Bah, c'est toi le BG. C'est toi le plus beau, attends. Et du coup, tu vois. Six. Ah, c'est. Tous vos pseudos commencent par Pix. En fait, tu récoltes l'herbe dans les donjons. Et du coup, c'est un peu chiant. Donc voilà, on va voir l'efficacité de la cape. On va tirer une carte de tarot. Est-ce qu'il y a un badge pour 4e mois d'abonnement? Non, c'est que. C'est que 1, 2, 3. Ah si, je crois qu'il y a 4, hein. 4, c'est la pizza bling bling, non? Il n'y a pas. Ah, je sais plus. Ah merde, faudrait que je les refasse de toute façon. Alors. Multiplier les dégâts de l'arme par 1,2 ou octroie 10 de ferveur lorsque vous subissez des dégâts. Non, dégâts de l'arme, du coup. Ouais, je crois. Ah oui, mais du coup, t'as le badge first. Le badge fondateur. Oh, ça, le badge fondateur. C'est quoi le badge fondateur? Et l'un des premiers abonnés Prime ou payants de la chaîne. Waouh! Abonné depuis 4 mois. Waouh! Follow depuis août 2019. Un fou furieux, toi. Hein. Merci. Merci beaucoup. Du coup, là, j'ai gagné. Oh, j'ai pas gagné cœur, hein. C'est quoi ça? J'ai gagné un demi-cœur. C'est vraiment de la daube. Une offrande. Il a envie Pixies, au fait. Bien sûr qu'il a envie Pixies. Ouais, il est en vie. Je crois. Dégâts roulade. Je gagne pas de. Ah, c'est que je tire. Celle que j'achète ne fonctionne pas. C'est trop naze. La pire cape que j'ai jamais eue. Bah, j'en ai eu que une. En fait, vous avez le pseudo de la même couleur. Comment changer votre couleur? Vous faites slash color quelque chose. Et la couleur que vous voulez. Alors là, vous commencez. Vos pseudos, c'est Pix quelque chose. Et vous avez la même couleur. Je vais jamais m'en sortir. Oh là là! Trop fort, en fait. Je suis vraiment trop fort. Je vois pas le souci, c'est trop chiant. C'est trop chiant. J'ai cru que c'était un message de Pixasiop. Elle est trop dure à tirer, c'est Pixasiop. Oh merde, j'ai plus de magie. La boulette. Voilà. Ah, j'ai un peu peur d'utiliser mon arme du coup. Parce que je suis trop habitué à mon autre cap. Mon autre cap, c'était full pouvoir. Lancer des pouvoirs tout partout. Ah, faut vraiment que je décèle qui parle, parce qu'à chaque fois, c'est compliqué. Quoi? Comme ça, je prends un dégât. Voilà. Parfait. Oh là là, l'efficacité. Il y a LeBron James avec moi. Eh ouais, je l'ai transformé en démon parce que moi je suis un peu un fou. Là-bas il y a rien. C'est forcément à droite en fait. Et je crois qu'il a envie Pixies, ouais. Nouvelle carte.
10% de chance de gagner un cœur bleu en tuant un ennemi. Et ça me donne effectivement que un demi-cœur. Je suis triste, c'est naze. Au fait, ça attend toujours le prochain Pokémon. Ouais. Bah ouais, hein. Ouais. Alors, donner un cœur, en gros, c'est technique. C'est, je donne un cœur, je récupère une carte. Mais comme je récupère une carte, ça me donne un cœur en plus. Un demi-cœur. En gros, pour un demi-cœur, j'ai une carte. C'est rentable, non? Ouais, c'est rentable. Bon, elle est là. Ouais, prochain Pokémon, j'ai un peu hâte. En vrai, j'espère que... Ah, c'est carrément un cœur entier. Un cœur entier pour avoir deux cœurs supplémentaires. Parfait. En gros, j'ai gagné un cœur, quoi. Et j'ai un peu peur qu'il soit... Bah, ça m'étonnerait qu'il soit... full multi, tu vois. En stream après. Je pense, hein. Ça fait tellement longtemps que je veux faire du Pokémon. Mais du Pokémon... Pokémon classico, tu vois. Parce que là, je pourrais très bien jouer à Pokémon, mais ça va être Donjon Mystère ou... C'est tout, en fait, j'ai que ça. Et c'est pas plus mal, parce que je l'aime beaucoup, Donjon Mystère. J'attendrai de voir un peu tes streams avant de le prendre, du coup. Ça marche. Moi, je suis un influenceur avant tout, hein, donc... voilà. Tu peux te reposer sur mes compétences. Voilà. Mais ce que je vais dire par rapport au jeu, ouais, que ils montrent beaucoup, ils ont montré pas mal de multi. Je peux regarder les derniers trucs, je regarde surtout surtout un peu les mèmes ou les trucs, les conneries du genre sur les réseaux. Bah, sur les réseaux, sur Insta. Et je vois qu'il y a pas mal de trucs intéressants dans le jeu. Mais sur les vidéos, tu sais, ils avaient montré pas mal de multi et j'ai peur. Bah, j'ai peur. Je me demande si... Ah, je sais pas. En fait, j'ai tellement d'interrogations que je sais pas. En gros, c'est... Est-ce que ça va être mieux en multi et que du coup, si tu joues en solo, ça risque d'être un peu chiant. Qu'est-ce qui se passe? Il fait peur, lui. Kamura, lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. La couronne rouge a toujours effrayé Calamar, la peur l'a rendu lâche. Ma porte est la prochaine à laquelle tu devras toquer. Toc toc fait l'agneau avant de détruire tout sur son passage. Oh, c'est stylé. Toc toc fait l'agneau avant de détruire tout sur son passage. Fin des temps, fin du monde. Oh, oh, c'est tellement stylé. Allô de Zeus. Oh, ils sont super solides, c'est trop chiant quand c'est les démons qui m'envoient des mobs. Oh oh, oh j'ai eu peur un peu là. Franchement, vu la déception d'Arceus, j'ai plus la foi en Pokémon. Non mais Arceus, c'est pas eux qui l'ont développé. Ils ont juste eu l'idée du monde ouvert. Ils ont voulu test. Moi j'ai confiance au prochain parce que c'est du coup il y avait plein de bonnes idées et tout ça. C'est vraiment un condensé de plein de bonnes idées le prochain. Et c'est eux qui le def publie etc tu vois. Merde. Et ça peut... Je pense qu'il va vraiment être bien. Il y aura forcément des éléments où on sera déçu. Je pense pas que ce soit très multi quand même. Le Pokémon Company sont à chier pour faire du multi. Je pense qu'ils aient tout... Je pense qu'ils aient tout misé là-dessus. Qu'ils aient pas tout misé là-dessus plutôt, non? Ouais, je pense pas que ce soit... un MMO, tu vois. Pokémon MMO, il y a les trucs en ligne si tu veux faire ça. Attends, faut que j'aille où là? Voilà, hop, une carte. Je pense pas. Ouais, je pense pas, oui, ok.
Tu t'en mêles un peu là. Mais ouais, je pense pas non plus. Oh, les dégâts de poison, évidemment. On prend une nouvelle carte parce qu'on va battre un gigaboss. Je suis bourré, totalement full drunk le gars. Putain, j'ai peur, j'ai payé et ça m'a rien donné. Un demi-cœur. Ou un cœur bleu. Cœur bleu. Si ça me soigne, c'est pas trop grave, tu vois. En gros, le temps que ça... J'ai tellement trop de cœurs bleus et de cœurs supplémentaires, de cœurs bonus, on va dire, que ça atteindra jamais mes cœurs rouges. Donc même si j'ai du soin, ça m'apporte rien, quoi. Par contre, je suis hype pour le prochain Fire Emblem de Nintendo Direct. On l'a toujours pas regardé, le Nintendo Direct. On l'a toujours pas regardé. Mais en vrai... Oh merde, j'ai pas de magie, pardon. Bah je dis pardon, mais... Parce que j'ai failli troll. Et merde. Voilà, j'ai perdu mon beaker. Chier. Inspiration bloquée, débloquée. Ok, je sais pas pourquoi, mais cool. Fire Emblem, j'ai jamais trop joué. J'avais joué... j'ai joué un petit peu sur la DS. Je sais plus lequel. J'avais joué aussi sur portable. J'ai beaucoup aimé. Sur Terre, il y en avait un. Il était trop bien. Robo, c'est empoisonne les ennemis. Critique. Bah, j'ai déjà du poison. Du coup, coup critique plus poison. Je pense que ça fait des dégâts monstrueux. Hein. Et là, collecter la ferveur en barre d'inspiration divine, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Et Timmy quittera le culte. Oh non. Aïe aïe aïe, c'est pas sérieux ça. Hein. Awakening sur 3DS peut-être. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Je sais pas, en fait, c'était le jeu de Betty, alors... aucune idée. Mais je crois que c'était ça. Et sur portable, je sais plus quel Fire Emblem c'était. Mais c'était un truc bien. Fimer nous a quitté, mais quelle concrétisation. Ah non, mais pourquoi à la fois des minutes de ouf, là. Vite, toi. Je donne des sous, et au moins de la foi à quelqu'un. Oui, mais tu dis la même chose. Retourne-toi quand je te parle. Oh là là. Ah, ils sont tous vénères. Pixies. Regarde, Pixies. Je crois qu'il y a deux Pixies. Ah non, il n'y a plus qu'un Pixies. L'autre Pixies, il est dead. Il est dead de vieillesse. Pixies, je te montre ta foi. Vous regarderez l'interview direct si vous avez le temps. Après, ce n'est pas raté. Des annonces fracassantes. Ouais, bah, comme tu m'avais dit. Pixies est en train de mourir de faim. Quoi? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Faut ressusciter Pixies. Bah ouais. Va falloir faire ça. On ressuscitera des morts avant. Mais j'ai débloqué un truc, il est trop bien. Bah je vais pas te dire. Bah est-ce que je te dis ou pas? C'est un rituel particulier. Ouais, c'est le dernier rituel en fait. Ah non, peut-être pas. Ça dépend comment t'as joué au jeu. Mais moi c'est le dernier que j'ai fait et puis je trouve qu'il est trop craqué. Oh, je peux pas aller jusqu'au bout, fuck. Aïe. Aïe 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 aïe, j'ai perdu trop de vie. Ça va me spoil le dernier rituel. Non, c'est pas... C'est pas le dernier. C'est un que t'as en donnant des champis à un gars. Du coup, c'est un rituel par rapport à des champis. Mais ce qui fait le rituel, je trouve ça trop bien. Pas trop bien.
C'est un peu abusé, mais c'est trop bien. Ma vitesse d'attaque multiplie par 25 aux chances de vos coffres, on s'en fout. Et j'achète. Ah, je peux pas acheter, fuck. C'est louche. Ah, c'est très louche. Ah, mais tout ce qui est dans le jeu est louche, hein. Le contenu du jeu est louche, hein, lui-même. Donc, là-dessus, il n'y a pas... Ok, c'est tout. Super. C'est vrai qu'il y a des cristaux ici. J'ai pas regardé si j'en avais récupéré. Bah, j'ai pas énormément de vie, hein, en vrai. Je pensais en avoir un petit peu plus. Oh, y a tout qui explose. Oh là 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 là. Chemin de la vertu, 5, 6, 7, 17, 18 dagues, pardon, nécromantique. Libère les esprits des adversaires pour attaquer les autres, ok. Je vais aller manger Monsieur Tonian, je passais, je faisais un petit coucou. Eh ben écoute, petit coucou à toi aussi. Et bon appétit, en fait, tout simplement. Bon app. C'est vrai, moi je mangerai vers 13h, un petit peu plus. Que je suis toujours à la bourre. Ah oui, t'as marqué Tona. Tona. Non, mais j'avais capté, Tu as mis une majuscule, donc voilà. Il y a eu un certain effort. Merci. Toujours bourré. Ah bah, full drunk. Hein. Full drunk jusqu'au bout. Ah si, ça c'est mieux. Je suis désolé. Appel de la couronne pour posséder les ennemis. Je suis désolé, mais le truc de la vertu, c'est mieux. Bon appétit et bon après-midi du coup. Merci à toi aussi, petit Pixies. Et je te réanimerai. Un jour. Aïe. Aïe. Y a intérêt. Ouais, bah ouais, on fera ça. On fera ça à un moment donné, quoi. À la prochaine, plus plus. Ah, putain, je suis recyclé, ça. Recyclé. C'est une pièce, c'est toujours naze, hein. L'action recycler, elle sert à rien du tout. Autant garder l'item par terre. Oh, c'est quoi, ça? Ok. Une zone de ressources. Sympa. Oh, j'ai gagné des cœurs. Deux cœurs corrompus, j'ai gagné. Excellent. Oh là, j'ai masse vie. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Oh, tu pars au même moment. Là, ça va être le gigaboss. Ok. Tant pis pour toi, Pixies. J'ai un peu peur. Misérable petite vermine, tu n'es rien. Tu ne comprends donc rien, agneau. Écoute ma mise en garde et fuis. Oh 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 oh. Attention, ça va partir en couille. Oh, wow. J'ai plus de magie. Ah merde. Ah, je vais infliger si peu de dégâts. Thank you.
Il est chiant avec toute sa magie. Tout... Oh non! Oh j'ai pu! Oh le bâtard! Wouhouhouhou! Aïe! Pousse-toi! Il me bloque! Il m'a pas eu. Oh non, il m'a touché. Oh oh. Oh, j'y suis presque. Oh, je l'ai eu. Non. Oh oui. Oh. Oh la résurrection. J'avais totalement oublié. Métimé qui voulait partir. Un biker. Ah oh, c'est bien avec le cœur pompu, c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est totalement bugué. C'est totalement bugué. Non. Ah j'ai le trophée. Ok, oh j'ai eu peur. Oh putain. J'espère qu'il n'y avait pas un autre truc à choper ou quoi, parce que... Calamar a toujours été une créature faible et lâche. Le monde se portera mieux maintenant que tu... Que sa carcasse hideuse n'est plus qu'un tas de chair en décomposition. Bientôt, je connaîtrai la liberté à nouveau et je façonnerai le monde à mon image. Tous se montreront à mon culte, tous s'inclineront devant moi. Oh. Oh. Oh oh. La souffrance d'autrefois sera le triomphe de demain. Ce qui devait périr jadis dominera à l'avenir. Wow. Oh putain. Ouais, tout le monde est content.
Hello. Hello. À mort. Hop là. Voilà. Finalement, j'ai quitté de famine. Aïe. Bah, vite, vite, faisons à manger, hein. 5, 9, 7, 7, plat ordinaire. Vas-y, hein. On va en faire le max. Ah, c'est Ozine qui est morte. Zut alors. J'ai un point en plus. Vas-y, mais compost, mais il sert à rien. On va acheter les décos qu'on n'a pas acheté là. Et bim. Parce qu'on a en plus en déco, mais. On récupère tout. Oh là 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 là, ça monte à une vitesse. On ajoute des combustibles. Quoi, on va t'inspirer. J'ai récupéré le colis en même temps. C'est parfait. Là, on récupère tout ça. On récupère tout ça. Là, c'est full. Là, c'est full. On ouvre la trappe. On ouvre la trappe. On ouvre la trappe. On ouvre la trappe. Voilà. Oh, j'ai eu un bout de viande en même temps. Ça, ça s'est fondré. Et on a eu pas mal de trucs. Ok, nice. Le bois. Faudrait que je débloque le level 2 du bois. Peut-être qu'il se cassera moins rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours un problème de nourriture? Hop. Ouais, on a eu, pas mal de décès, malheureusement. On n'est plus qu'à 14. C'est pas très grave, on va leur faire de la nourriture. Nourriture esquise, ou ça là? C'est pas mal, plat de viande. Voilà, cuisiné. Voilà, pour la nourriture. Ouais, tu level up. Ensuite, on utilise le cœur pour un nouveau truc. Le sermon, la couronne. Voilà, alors ça c'était manger un plat pour gagner un cœur bleu. Ou faites demi-tour, retour dans vos bases quand vous voulez. Ça c'est pas mal. Plat pour un cœur, non, retour. Le retour dans à la base, je pense qu'il peut être pas mal si on va très loin dans les donjons. J'ai débloqué le nouveau pouvoir de la couronne. Concentrez-vous dans un donjon pour retourner à votre base. Super. Est-ce que c'est le jour? Oui, c'est le jour. Sermon. En fait, une fois que tu as battu le gros boss et que tu refais. Tu peux. Ok, il y a un vieux, super. On peut aller très loin en fait. On peut continuer d'aller loin, etc. Peut-être que je fasse un rituel, mais c'est pas grave. Ou alors je peux en faire deux. Ça peut être pas mal ça. En gros, okay, celui qui aura de la thune. Voilà, là. Je devrais en avoir pas mal vu le nombre d'adeptes.
Waouh! Waouh! Stop! Ça s'arrête plus! Ok, voilà, on regardera combien après. Et en fait, lobotomisé, la fois sera verrouillée au maximum pendant 2 jours. On fait ça. Allez, mangez les champix! Wow. Wow. Ils peuvent être malades, à skip. A voir ceux qui sont malades. Et tellement de malades. Y'en a qui ont des levels à monter. Quoi, y'a plus de place aux chiottes. Déjà des gens dedans. Tac. Ouf. Élément. Et peut-être construire une autre. Là tu peux aller dormir. Toi je t'inspire, tu level up. Voilà. On peut récupérer tout ça. De toute façon, la foi ne peut plus descendre ni augmenter. C'est ça qui est relativement puissant avec ce truc. Là, c'est cool. Là, c'est full. Ok. Parfait. On récupère ça. Ok, tout est plein ici. C'est plein aussi. Mais allez, allez vous reposer, les malades là. Mais t'es sérieux? Putain, mais y'a des shots à côté. Peut-être construire un shot en plus, hein, du coup. Tac, ça coûte pas cher. Ah non, zut, pas ça. Ça. Parfait. Et j'ai eu trop peur pour la fin du boss, hein. Voilà. Parfait. Voilà, on a plein de choses. Parfait. Parfait, parfait. Et le boss. Non, il donne pas d'adepte, c'est un gros démon. Voilà, on va construire des meilleures bâtisses. La foi peut pas diminuer, alors s'il tombe par terre, on s'en fout pas les steaks. Tac. Et c'est pas les petits bonus de construction. Voilà. Par contre, je sais pas quand est-ce que ça va diminuer. Donc, les choses. On va construire que dans. Fermé. Je peux plus? Je peux plus faire ça? Ah, il me manque du bois légendaire. Ok. Voilà. Et ici. Bon, on voit du bois, hein. Voilà. Du bois partout. Faites votre taf s'il vous plaît. Là on a normalement pas mal de. On a tellement de trucs. On a un petit crabe, excellent. On va vendre ça. Voilà. Ah, presque 1000 pièces.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a toi? T'as une quête? Célébrer la fête sainte. Ouais, je le ferai peut-être. Je le ferai peut-être. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux trucs plus loin là-bas? Normalement, ça. Voilà, ça a débloqué ça. Excellent. Une et gigaboss. Ah, j'ai un peur. Peur. Devoir très fin, prendre ce qui va tourner. 100% de réduc. Voilà, merci. Reviens vite. Ouais, ouais. Ok, Yuel est plus malade. Super. Merci, Yuel. Est-ce que toi, tu vends des graines intéressantes? Pas du tout. Ici on a battu tout le monde. Ici on a battu tout le monde. Ici on a battu tout le monde. Prochain c'est là-dedans. Ok. Ok, ok. Il me faut. Ils peuvent mourir de faim par contre. C'est pas parce que la foi est bloquée. De la nourriture aussi. Du coup, qu'est-ce que je peux leur préparer comme plat? Un plat de viande supérieur. Ouais, c'est pas fou en fait, hein. Vas-y, on va faire ça. Hop. Chance d'épuiser l'adepte. Est-ce que c'est mon problème? Non. Hop. Tac. Là. Envoyez la recrue. C'est Metime qui est dead. Alors. Metime m'a aidé à battre boss. Voilà. Pour faire un perso. Quoi de l'apparence? On a un petit crabe, c'est excellent. Mais c'est tout. En plus, il y a que des trucs positifs, c'est super. Super. Trop strong en fait. Tout strong. Et raffiné, s'il te plaît. Vas-y, je t'inspire. Parfait. Double up. Oh là, je peux même mourir en donjon. Ça pose aucun problème. Et garder la cape là. Même si c'est pas top du top. J'ai envie de vraiment voir le potentiel. On va invoquer des démons. Alors. Pixies, plus de ferveur, demi-cœur. Non, nous on veut. Bon James. Hop, on va chercher des cœurs. Ah, le Bon James, il est où? Bah. Dead. Il est dead. Oh non! On va chercher quoi, rouge triste. Ok, plus de dégâts. Un truc. Là. Élément. Ok. Et un autre à distance des cœurs. À distance ou des cœurs. Cœur rouge, je sais pas ce que je veux. Bah non, mais ça va être.
Ah là, il a pas de nom lui, il a pas de nom, c'est vraiment je sais pas quand c'est possible de... pas plus lui mettre de nom là. Alors... Un deuxième œil de témoin à Plimpo, ok. Retournez voir Sozo. Ah bon, voir Sozo avant. Voir Sozo, voir ce qu'il nous dit. Voir ce qu'il nous dit par rapport au rituel qu'on vient de faire. Oh, il est épuisé le chat. Le chat à côté de moi, il faisait des dingueries juste avant là. Oh, cute. Et hop. Belle construction à la base, bah, c'est pas trop tôt. Alors, tu as sauté le pas, n'est-ce pas? Tu as goûté au pouvoir des champignons, oui. Mais comme Sozo, Sozo est ton ami. Pense ici, engage l'amitié entre deux amateurs de champignons. Prends-en soin et fais attention à ne pas. On ne peut faire confiance à personne, personne. Ok, deuxième fragment. Ça va relativement vite en fait. Hein. Sozo aimerait te faire un autre présent, quelque chose qui symboliserait votre passion commune pour les champignons et leur potentiel infini. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Sculpture de champignons, sculpture décorative en l'honneur des champignons à la recherche de Sozo, construisez sculpture de champignons. C'est une quête ça? Je dois construire ça? 16 lingots d'or! Et c'est une quête, je dois construire ça? Et reviens me voir, un dernier présent, Sozo juste paye toujours ses dettes, ok. Faut que je construise la sculpture, mais j'ai pas assez d'or. Pas assez d'or, j'ai pas assez d'or. Qu'est-ce que c'est? Un étang? C'est mon stylé? Oh, je prends. Oh, ouais. Le 2 de pierre, l'étang. Bon, le truc à côté, c'est moche, on s'en fout. Et ça, c'est dégâts de la nuit ou la vitesse de déplacement? Ah, mais ces déplacements, c'est pas mal non plus. Vas-y, je prends. Vitesse de déplacement, c'est ok, c'est bon. Un peu plus au centre. Allez, totalement au centre. À la maison, à la commu. À la commu, on va essayer de voir si on peut construire le truc. Si on peut pas, tant pis. Je pense qu'on pourra pas. Hein. La foi est toujours verrouillée. Il y a mes trois démons qui attendent pour partir à l'aventure. Nouvelle base. Nouvelle construction dans la base plutôt. Ok. On construit tout. Parfait. Je construis des chiottes level 2 par la suite. Là, ils construisent leur maison. Là, c'est pas mal. Du poisson, super. On peut faire un truc un peu mieux. Transformer des ressources, on a besoin de lingots d'or. On a pas mal d'or pour ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Il n'y a personne qui fait la transformation. Non. Ok, on récupère tout. Il y a encore des piafs. Ah, les stocks sont vides. Ok, full truc. Tac, des champignons ou de la betterave. De la betterave. Ensuite de la citrouille. Voilà, et ensuite les champignons. Les champignons c'était utile avant. Pour justement les quêtes de Sozo. Ok, ça diminue un petit peu. Ok, malade. On va l'amener ici. Ah non, ça doit être les shots du coup. Ah non, il y a vraiment un qui est malade. Tac, ok, on va pas trop tarder. Ah, est-ce que tir de champion on peut pas? Donc on va faire, faire prochaine mission quoi. Ok, on
c'est ici. On a fait que le premier boss. Ok. On va essayer de faire les prochains. Bah, le prochain boss plutôt. Et on sera du coup à la moitié, un peu plus. Ok, libère l'esprit vengeur. Propos, ça blesse les ennemis, rafale divine. C'est un peu nul, mais c'est pas grave. C'est ici qu'on peut avoir des toiles d'araignée. Avec un peu de... Non, est-ce qu'on veut... Qu'est-ce que c'est de ce dinguerie là? Ah, c'est des œufs qui attaquent. Ok. Ok, c'est particulier. En gros, même si j'attaque... Ouais, dès que je tue... C'est trop bizarre. Dès que je tue les œufs, j'ai perdu un cœur. Ah ouais, mais il fait trop mal lui. Je sais pas ce que je dois taper en fait. Ok. C'est trop... Waouh, angoissant. Ok. Alors là, il y a quoi? Là, on sait pas. Là, c'est les cartes. On va voir les cartes. On va avoir un cœur supplémentaire. Multiplier les dégâts de l'arme. Vas-y, hop. La petite offrande. Ok. Un projectile lorsque vous utilisez votre arme. Du coup, ça fait un cœur complet. C'est pas mal. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je sens pas ouf celle-là. J'ai trop peur l'autre. Ok, j'ai pas perdu de cœur me semble. Très particulier hein. On va attendre un peu, histoire que ça recharge le tir. Ok, go. Quelle est cette chose? Tous sont les bienvenus au palais des miracles et des merveilles. De l'or à perte de vue garantie, la caverne de Midas est ouverte 7 jours sur 7. Nouveau lieu, let's go! Caverne de Midas. Ok. Un cœur carrément. Un cœur bleu entier. Ça, c'est pas ouf. Vas-y, on va à la droite. Du coup, on essaie de vaincre le boss ici. Comment on le vainc lui? Ah, on n'est pas obligé de tuer le truc du milieu. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et il n'y avait rien du tout, donc j'ai perdu un demi-cœur pour rien. Super.
Ok. Tac, tac, tac. J'ai reperdu un demi-cœur, mais c'est pas grave. Lanterne araignée, je crois qu'on l'avait déjà ça, non? Ah non, c'est deux types de lanterne, ok. Ok, ok. Bah la carte, en fait, tout simplement, puisque on a un cœur, un demi-cœur en plus à chaque carte. Un cœur. Ok, les dégâts reçus. Dans le cœur, comme ça on a plein de cœurs. Voilà. Et je peux pas racheter. Ah. On y va. On y va. Ici. Voilà. Va ici. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Et c'est lui, c'est un petit chat fornus. À quoi me sert mon cœur si je veux l'offrir à quelqu'un? Je pensais le garder jalousement toute ma vie. Puis j'ai eu deux enfants. Alors j'ai découvert le grand amour. Pourtant, par un triste jour d'été, mes précieux enfants m'ont été enlevés. Un présent paraît-il pour la plus grande des divinités, celui qui attend. Oh, j'ai pleuré, j'ai supplié. Et comment aurais-je pu m'opposer à un dieu? Où qu'ils soient, j'espère qu'ils ont, qu'ils sont aussi dévoués et aimants que moi. Waouh. Plan ou apparence adepte. Ah, je peux pas acheter un truc. Fuck. Bah, vas-y, on va choisir l'apparence adepte. Comme ça, on aura tout. On aura plein, plein, plein de trucs. Et c'est un truc bizarre. Ok, bon, soit. Ok, de la vie, mais je suis max. Ok, rip. Un combat, puis encore une autre zone, et on sera au niveau du boss. On sera au niveau du boss, et là, on sera pas mal. Je suis presque un level up encore. Et j'ai, mais j'aurai tout après. Je sais pas si on a tout, est-ce que ça donne un cœur supplémentaire, je pense. Ça doit être comme les autres, hein. Merde. Y'a un truc. Ah, tais-toi, réveille. Voilà. Et du coup, je suis plus dessus. Je suis plus sur live, c'est bon. Putain de réveil qui sonne. Voilà. De toute façon, je pense qu'on fait celui-là, on explore la zone. Et et après on sera bien. Voilà, moins ça. Oh là là. Boum. Aïe. Ah genre il m'a retouché. C'est pas possible. Ah j'ai perdu trop de cœur. J'ai perdu tous mes cœurs rouges. Mes cœurs corrompus, pardon. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pousse-toi! Aïe aïe aïe. Là. Tu veux pas te décaler du truc en feu, s'il te plaît? Merci. Voilà. On va casser ça. Ici y'a rien. Ici y'a des arbres. On va y aller. On va y aller, on va voir. Oulala. Choc de la couronne, tire un proche guide puissant. Qui a des chances de posséder les ennemis. Opiocule, ça c'est naze. Mulstorm des tentacules dans chaque direction plutôt que l'autre. Vas-y, je prends ça. Un max de tentacules. Hop. On peut partir par ici. En bas, ici. Je dirais là.
Là, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah! Je n'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui, mais je ne me fais aucune illusion. Je sais que la fin est proche. Peut-être trouverai-je un peu de réconfort dans cette confession. La culpabilité me pèse, c'est moi le premier qui lui fait part de mes idées de changement. Vois-tu, j'ai une inclinaison particulière pour le savoir, un sujet de perpétuelle évolution. Bien sûr, ce qui est simple pour moi est tout à fait contre nature pour lui. La mort n'est pas une machine en vrai. Fais pas marcher en arrière. J'ai alors pris la décision de l'enchaîner et de le soumettre aux emprises de ses quatre frères et sœurs. Oh! Agneau, incline-toi devant moi. Alors, si je fais refuser. Ah, si je fais incliner, ça fait quoi? Je m'incline. Je suis un peu déçu, je l'avoue, je croyais que mon frère était le meilleur goût concernant ses esclaves. Vos adeptes ne vous respectent plus. Nani! Oh non! Encore! Oh, aïe 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 aïe! Compliqué tout ça. Ok. Oh non, il me respecte plus, genre. Ah, je trouve le seum. Bah ouais, mais sinon il me rajoute 36 000. Vas-y, c'est bien ça. Un nouvel adepte. Au moins lui, il sera content peut-être. Sinon il me rajoute 36 000 chemins avant d'y arriver au bout. Et c'est infaisable. Ouais, je voulais voir ce que ça faisait. Mauvais choix, quoi. Mauvais choix. En plus, j'en ai tellement. Tellement d'adeptes. Et la foi, je crois, elle peut pas diminuer encore. Ah, je peux pas. Ok. C'est marrant, du coup, je suis coincé ici. Ah, je peux passer à travers. Ok. Je dis merde, je suis vraiment bloqué, mais en fait pas du tout. Ok. Ok, zoup. On passe là-bas. Stylé ça, crâne géant. Oh ouais, stylé. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai pas assez pour le construire, j'ai pas fait gaffe. Ok. Ah du coup le boss, malheureusement, j'ai perdu pas mal de cœur. Après mon pouvoir il est pas mal s'il invoque des sbires. S'il invoque pas de sbires, ça serait un peu naze. Mais c'est pas grave. En plus c'est le dernier. Ah bah non c'est le... Confond. Là ça va être un mini-boss. Bah les mini-boss peuvent invoquer des sbires aussi, c'est un peu chiant ça mais... Voilà. Ils sont chiantes les petites bestioles là, on peut pas les choper. Et encore. Quoi, il m'a touché? Oh, il dash à côté, il me touche. Abusé. Toujours tout pété, il y a toujours des petits cœurs là-dedans, avec un peu de chance évidemment. Bon, pas de chance. Ah, peut-être là-dedans, non? Non, du tout. Là-dedans? Non, my bad.
2 coeurs et demi. 2 coeurs et demi. Ça va être compliqué. Et meurs. Aïe 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 aïe. Vénin. Je pensais infliger plus de dégâts avec mon arme. Mais malheureusement non. Ok, relativement facile lui. Tac. Là y'a quoi? Je peux pas savoir. Et là? Je peux pas savoir. On va en bas. Avec un peu de chance. Non, on aurait pas dû. What? Quoi ça? Il est gravement malade. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Un imp. Je suis mort comment? Tu veux savoir comment je suis mort? Aïe aïe aïe. Bah les bro. Ah c'est parce que les bro James c'est des vieux. Des gens qui râlent, bah le bon James hein. Désolé. Désolé, eh oui. Eh oui, il fallait croire en moi. Tant pis pour toi. Je sais pas comment je suis mort par contre hein. Alors là on va avoir une carte de tarot, c'est pas mal. On pète tout. Avec un peu de chance, on a des trucs intéressants. Et avec pas de chance, bon non, rien. Le dernier, super. On va pas le taper, c'est pas grave, on s'en va. Alors, roulade, plus de cœur, 2 cœurs, s'il vous plaît, on est dans la sauce. Et en plus, la carte ou en plus chance d'avoir des cœurs. Les cœurs, parce que la carte, on est au bout du bout. Hein. La carte, c'est utile à la rigueur au tout début. Donc là, on a rien. C'était pour atteindre la carte tarot. Et maintenant, du coup, on a 3-4 cœurs bonus. Oula, ça va être compliqué là-dedans. Voilà, maintenant qu'on a tout pété. En fait pour se concentrer et partir du donjon. On va pas partir du donjon puisqu'on va détruire le boss. Ah on a que... On a plus assez de magie. Ok. C'est pas grave. Résurrection du boss. Oh non. En fait dès que je touche le boss, il y a des pics qui sortent. Oh il met du poison. Oh il est pas chiant lui. Il est pas chiant du tout. Ok.
Il va être long en fait, hein. Il va pas être trop chiant, mais il va être long. Oh non, je pensais que ça irait beaucoup plus loin. Ah, il m'énerve. Ouah, bâtard. Et bim. J'ai peur. Passe large. Encore un petit coup. Boum. Nice. Wouhouhou. Facile. Wesh. Ah, parfait. Des pierres, des pickles, des betteraves. En vrai, sur les betteraves, c'est pas des graines de betteraves, mais c'est pas. Prends les betteraves. Prends les betteraves quand même. Ok. Vas-y, récupère la ferveur, mais ça sert à rien. Oh, la sortie. Ici. Et voilà, on est deux. 2 sur 3. 2 sur 3 parce que le quatrième c'est directement le gros boss en fait. Planks, planks, planks. Et boum, deux adeptes du coup. Ah bah oui, on a trouvé un tout seul. Nice. Perdu dans le donjon là. Ok, ça c'est pas mal. On va voir la zone, quelle heure il est. Ah ouais, faut se dépêcher. Ok. On va s'arrêter. Oh, ah oui, c'est vrai, tout le monde est vénère, ils ont pas pu en bas et tout. Un peu chiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est directement le petit sermon. J'espère qu'ils vont venir. Il y en a qui sont partis, c'est ça? C'est sérieux ça? Mais non. Ok, et le truc c'est le rituel. Un rituel qui augmente pas mal. Le banquet. Le banquet. Bien, il y en a un qui veut pas venir manger. Voilà, mangez donc, mangez donc. Vous êtes content? Hop, ça augmente. On va faire un autre. Ouais, faudrait que je fasse flimmer. Bah, je le fais quand même. Je le fais quand même. Parce que je suis un chip type. Moi, je suis un chip type. Allez, ils peuvent pas cliquer. Bon. Allez, dansez avec vos shorts à fleurs là. Merde. Voilà. On est content, c'est bon. Tous malades, pourquoi ils sont tous malades? Bah, allez, allez manger. Oh là là.
Merde, je fais un plat, mais il y a besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Attends, on est malade, faut que j'aille les reposer là. Qu'est-ce que tu me veux? Attendez-moi. Ok, super. Toi, va te reposer. Toi, va dormir. Toi, t'es vénère là? Sérieux d'être vénère? Je vais te faire un plat, tu vas m'en dire des nouvelles. Toi, va te reposer. Ok, faut que je fasse ça. Donc, un plat. Et le deuxième. Oh, genre! Fuck! Nice. Il est où le vénère? Non, il est où le vénère? Toi, t'es vénère, toi? Manger. C'est délicieux. Voilà. On récupère tout. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, t'es malade. Va te reposer. Ne se rebelle plus. Bah oui, évidemment. Évidemment. Pourquoi les gens ils vont pas dormir ici? Reposez-vous. Oh là là. Et c'est pas parce qu'ils sont trop loin, parce que l'autre, elle est toute proche et ils y vont jamais. Je sais pas c'est quoi leur logique là, mais... Non. Hop. Vole pas de la pierre, toi. Reviens ici. Vole pas de la pierre. Voilà. Hop. On récupère tout ça. On récupère un peu de viande. Là, on met tout là-dedans. C'est vide, genre, c'est bizarre. Après, il y a peut-être des trucs qui prennent plus de temps pour couper. Là, je sais pas. Ok, alors. Ah, j'ai déjà un point. Vas-y, bûcheron 2. Spoiler. Parfait. On récupère tout. Voilà, on libère les copains. C'était long. Ça, lui, s'appelle Fetty. Bah, c'est bien. Apparence. On en a des nouvelles. Ça est trop moche. Et en vrai, on est bien. On n'a pas tous les généraux. Il y a un genre de dragon. Il est trop stylé. Moi, je le veux. Ou alors, c'est des. Je sais pas, ça a l'air d'un loup chelou. Une étoile du. Merde. Encore des trucs avec des cornes. Et une tête trop bizarre, trop moche. Vas-y, aléatoire. Vas-y, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il te soigne plus vite, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu peux être nettoyeur, va nettoyer. Et toi, tu vas être qui? Bafard, vas-y, on va le laisser comme ça. Voilà. Et tu vas être qui? Tu vas être quoi? Tu vas être... tu vas pas pris, ça sert à rien. Tu vas être fermier parce qu'ils sont trop lents, les autres. Ah ouais, non, mais je vomis partout, les gars. Tour, tac 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 tac. Si tout se passe bien, tout se passe bien. Le meilleur des mondes. Voilà. En fait, ils ont des trucs à fleurs parce qu'ils croient plus en moi. Je crois que c'est ça. Et du coup, je sais pas quoi faire. Ils sont tous contents, pourquoi ils ont... Voilà, il en t'est pensé. Ah, vous avez essayé devant un ennemi? Follower sous leader bois ou description. Ah ouais,
D'accord, je pense que c'est pas censé faire ça. Ok. Mais du coup, comment on fait pour les remettre dans notre camp un peu là? Interagir. Inspirer, peut-être que. S'ils montent de level ou. Non, je sais pas. J'espère qu'ils recroiront en moi. Fur et à mesure. Du coup, j'ai un deuxième cœur. Comment c'est possible? Un deuxième cœur bleu. Est-ce que j'ai battu un gros boss? Comment c'est? Bon, soit. De toute façon, on a soigné tout le monde. Tout le monde. On va à la caverne de Bidas. On va voir ça. Et après, on s'arrête. Après, on sera bien. Toum, 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 toum. Toum, toum. Oh, wow! Pourquoi c'est des Pikachu en bougie, là? Bienvenue, bienvenue. Ah, c'est lui avec la tête d'étoile. Elle est pas beau, hein. Regardez tous, nous avons de la visite. Oh, arrêtez de ricaner. L'agneau ne paye peut-être pas de mine, mais la fortune sourit aux fallacieux. Je veux dire, aux audacieux. Ok, ouais. Camarade, la caverne de Midas sert uniquement aux clientèles haut de gamme. Si tu penses remplir une condition, alors bienvenue. Cette condition, hein. Je t'en prie, fais un tour dans mon humble repère. Reste autant de temps qu'il te plaira. Si tu as des questions, Midas est là pour y répondre. Ouais. Ok. Oh, ça m'a donné quelque chose. Oh, ça donne une apparence une fois qu'on a tout. Ok, bah je suppose que c'est bien. Alors. Il y a beaucoup de délire par rapport aux bougies. Aux bougies, aux araignées, ça coûte de l'or. Et bling bling quoi. Ah ouais. Pour avoir les araignées tapis dans l'ombre. Ah, pour voir les araignées. Oh, si ça fonctionne vraiment, c'est trop bien. Ensuite, que de la pierre, ok. Une pile de crâne, squat. Non, on va pas. Vas-y, j'ai envie de le prendre. Juste pour voir ce que ça fait. Ok. Bol déco. Super. Ah oui, c'est juste pour l'acheter qui coûte ça. Là, je vais acheter une apparence. Ne prenez pas autant de temps avant. Il n'y avait pas cette animation aussi. Oh, stylé ça. Petite chauve-souris. Encore? Encore. Let's go. Soyons fous. C'était pas obligé vraiment de faire l'animation, je pense, hein. Ok, ça c'est pas beau. Et il n'y a plus rien. Ok. Au milieu, si on regarde, ça fait quoi? C'est ici que nous confions notre or aux dieux, parfois, dans leur immense bienveillance. Ils nous en offrent plus, parfois, ils préfèrent les garder pour eux. Mais les simples mortels n'ont pas à questionner leur choix des dieux. Je ne parle pas de nous, bien sûr. Pouvoir côtoyer les dieux de cette façon, certaines donations préalables sont nécessaires. Ok, pour une personne aussi exquise que toi, disons 10. Ah ouais, 10 lingots d'or! Acheter 10 trucs pour une pièce. Ça sert à rien. C'est sympa, mais. C'est vraiment pour faire genre, c'est bling bling quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis sûr que tes adeptes te vénèrent et t'offrent de la dévotion en abondance, et ce gratuitement. Mais toi et moi, nous sommes des visionnaires, n'est-ce pas? Il faut toujours plus. Pour te procurer de la dévotion pour un prix plus que raisonnable. Plus tu le désires, plus le prix sera élevé, plus tu attends, plus le prix sera bas. La question est, combien de temps sauras-tu résister à la tentation? Ah ah.
J'avoue que c'est un peu... C'est pas super bien en fait. Cadavre des adversaires explose et, leur... et blesse les autres ennemis. Oh 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 oh. C'est super puissant. Permet de revenir à la vie avec un cœur. Wow, c'est super puissant. Répandez les cœurs lorsque vous subissez des dégâts. Ça aussi c'est fort. J'achèterai tout ça plus tard. Ramasser. Ah voilà. Réponse adepte caché. Toujours, toujours faire les petits recoins. Dans l'autre sens on peut. Ok. Sacrifier un adepte. Pourquoi? C'est pourquoi? Lui est vieux. Vas-y, je sacrifie le vieux, on verra. Attention. Oh! Formidable, lui, voilà qui est mieux. J'ai d'autres babioles à t'offrir si tu acceptes de m'aider. Ok, c'est vénère un peu l'offrande là. Mais pourquoi pas. Et là Ok, ils sont... C'est... Quoi? Le mec est plus malade mais il meurt de maladie. Vas-y, si je donne, je donne la thune. J'ai peur, hein, il va me ruiner le bâtard. La moitié de ce montant aurait fait l'affaire. Tu ne sais pas négocier, pas vrai. Tu es libre d'utiliser le puits comme il te plaira. Que pense ce que... Ah le bâtard. Il donne 350, il me donne plus. Mais comment tu veux que je négocie? Oh vas-y, j'ai perdu plein de thunes. J'ai perdu plein de thunes, j'ai un peu le seum. Oh c'est quoi ça? Hier dans l'obscurité. Oh oh oh. Pauvre radio, je crois que ton espèce est passé à l'obscurité, je suppose. N'est-il pas comme les autres? Comment vont tes adeptes? Est-ce qu'ils se portent un amour sans limite? Est-ce que tu leur inspires une peur terrible? Les nuits sont de plus en plus longues et les monstres de plus en plus féroces. Accepteras-tu de me donner un coup de patte? Ça vaut la peine, je te le promets. Possède quelque chose de grande valeur, quelque chose d'unique en son genre, le grand de choses. Le genre de choses qu'on ne verra pas deux fois. Disons. En échange, c'est... Oh, trois fois rien, vraiment. Seulement deux petits adeptes. Déjà, te mets trop à l'aise. Trop mal à l'aise, je te propose un interactif, la moitié d'un cœur. Tu as conscience que les guides de culte doivent être parfois faire des sacrifices, bien sûr. Deux misères à la tête ou un morceau... Mais comment ça, oui ou non? Oui. Ah. Ah, je peux plus annuler? Deux adeptes. Je suis désolé, mais En plus, ils sont tous vénères. Est-ce que avec quelqu'un de vieux? On va mettre ceux qui vont potentiellement être vieux. On pourrait être... bouffe. Et Ah ils sont pas rangés par âge en fait. Si un petit peu. Et Julio? Et Julio, désolé, désolé Julio. Qu'est-ce que ça va faire? Adieu, tu es une créature pragmatique et c'est ce que j'apprécie chez toi. Voilà, comme promis, maintenant je vais prendre congé, j'ai un dîner. Ouais, c'est ça. Ah, deux adeptes pour avoir ça. C'est cher haut, ça, hein. Talisman sacré. Bon, faut que j'aille vite à ma base. Ok, donc je sais pas s'il y a une nouvelle zone après. Mais là, elle m'a bien ruiné, hein. Bien, après c'est pas grave. Genre, j'ai assez de ressources. Je ne sais pas négocier. Tiens, ça m'a saoulé ça quand il a dit ça. C'est pas négocier quand tu veux que je négocie si tu n'apparais pas sur l'écran.
Comment tu veux que je te parle? Oh, il y a eu un dead là? Ah oui, c'est vrai. Oh, on est plus que 12, on était 20 avant. Voilà, personne l'a vu. Super. Et ah non, c'est pas cuisiner. C'est faire un serment. Voilà. Ah oui, pour débloquer le truc. Putain, mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, toujours des trucs. Ok, ils sont un peu de foi, donc je pourrais récupérer la quête de l'autre. Celle que je voulais voir, c'était... C'est la pélisse de l'âme. Pélisse de l'âme ou les 4 cartes? En gros, là-dessus, j'ai 4 cartes, mais je peux plus en tirer. Je pense que je pourrais en l'acheter. Ça fait 4. En vrai, une, ça fait 5 au total. C'est pas énorme. Tous les cœurs sont remplacés par. Voilà que c'est les cœurs bleus. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je vais prendre ça. Ça m'intrigue trop. Je veux trop savoir ce que c'est. De toute façon, dans tous les cas, l'objectif c'est de tout débloquer. Alors, à partir. Oh là là, mais quoi, pourquoi, pourquoi ils sont vénères? Rituel, tu vas voir s'ils sont vénères longtemps. Hop là. Le feu de Dieu. Hop là. Bon, ils sont tous contents, ils recroivent tous en moi là. Ouais, vite fait quoi. Et vite fait. Mais c'est pas grave. Hop, on récupère ça. Tac, 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 tac. Et lingots d'or, il en faut. Attends, il y a qui là? Hop, de moi. Voilà. Pixies, voilà, Pixies. Pixies, il est pas beau, hein. Désolé, mais c'est pas grave. M'en fiche. Alors, on va faire. On va faire ça. Voilà, et au-dessus, il y a du bois, mais personne le fait, ça me saoule. Qui fait rien là? Ils coupent du bois, eux ils crient. C'est moi quelqu'un qui fait rien là-dedans. Oh, il y a plus de. Voilà. Ça prie, ça prie. Là, il y a des piafs. Ah. Vas-y, Féti, tu sers à rien. Va raffiner, s'il te plaît. Voilà. Structure champi. Juste regarder si j'ai d'autres quêtes que je n'aurais pas fait suivre. Okay. Bah, non, du coup. Non, j'en ai pas. Mais pourquoi j'ai toujours plus de cœur en fait? A chaque fois que je débloque une cape. Ou en gros, tous les cœurs sont remplacés par le nombre de cœurs bleus plus la moitié. Donc en gros, 3 plus 1,5, et 4,5 au total. Ah, du coup, c'est chiant en fait. Où je perds de la vie puisque j'ai 2 cœurs de base. Sauf si. Bah non, j'ai dit sauf si je change la cape. Donc si je change la cape, j'aurai pas le. Ouais, pas bizarre. C'est pas grave, on est pas mal. On a très bien avancé. Pas de bouton pour sauvegarder. Voilà, parfait. Est-ce que mon. Oui, mon ordi chauffe un petit peu. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tiaisiop, le Rixub, excellent. Le chatting, chap. Voilà. On va se mettre. Ah, c'est dans le menu principal, tiens. Voilà. Bon, sur ce, merci à tous d'être passés, tout simplement, ça fait plaisir.
Pour ceux qui sont pas follow, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain matin. Demain matin, les samedis matins. J'essaie de stream aussi. Et sinon, sinon c'est les soirs vers 21h. Voilà, des bisous tout le monde. Bon après-midi. Et à demain. Ciao, ciao.